Bonjour, bonjour à toutes, toujours avec un grand plaisir et contentement d'Anne-Kia que me retrouve chaque matin sur Télécréole pour ce petit page bonnes informations que nous la prépare pour vous autres, des informations en réunionnais qui concernent la Réunion et concernent aussi la zone océan Indien en France, un peu partout dans le monde. Mais remercie à autres là que elle est toujours connectée sur la télé, sur le réseau social Facebook et comme il dit souvent un petit peu plus tard, sur YouTube. Voilà, nous allons passer avec l'essentiel de ce qui concerne l'actualité ici dans notre pays, c'est bien sûr le Covid-19. Si lundi il était un peu calme, là, les informations qui sortent des sites officiels, ben, on a réveillé. Hein, donc le week-end, ben, on a aussi pareil, nous, ben, on a dort aussi le week-end, ça bat de carré en famille, tout cela. Il oublie le Covid, ben, quoique nous n'oublions pas trop le Covid, il est toujours présent là-même. Alors, l'annonce qui a été faite par le comité régional olympique sportif à propos du Covid-19, hein, un couvre-feu qui sera normalement reconduit jusqu'à la fin de mars, d'après ce que Manaï dit, la préfecture l'a dit. C'est une réunion qui a été organisée le 12 mars avec le CROSS. Le CROSS, c'est quoi? C'est le comité régional olympique sportif. Alors, la directrice du cabinet, Camille Goyer, hein, donc. Ouais, c'est de la dit la réunion des Français de l'océan Indien. Là, elle a annoncé que le couvre-feu est programmé jusqu'au 21 mars, hein, et risque d'être reconduit jusqu'à la fin mars. Hein. Vous avez vu que c'est la directrice du cabinet, il dit, c'est pas le préfet, hein. Donc, il tardera pas. Bah, lui, il annonce à vous que sera peut-être prévu. Donc, le préfet, il vient par derrière. C'est la décision finale avec, soi-disant, les maires, hein, qui décident avec lui. Il va dire nous que peut-être jusqu'à fin mars, nous sera pris en dedans. Voilà, donc la situation, ben, il dit azote, hein, il permet pas à ban, avec les contraintes actuelles, de poursuivre les bonnes activités, tout ça, hein, du côté du sport, tout ça, là, il a bien été impacté, ainsi que les bonnes, si nous gardent bien, les bonnes restaurateurs, les bonnes. Toutes les bonnes bouguifées, commerce, la bouffe, et puis le sport, tout ça a été pris en dedans, parce que c'est des sports de contact la plupart du temps, hein, beaucoup de sports de contact, donc faut beaucoup de distance de ces distanciations, et donc il permet pas avec les nouveaux règlements. Nous allons passer du côté de l'océan Indien avec du Covid-19 là, la Réunion il parle plus trop, hein, maintenant ça va, hein, plutôt du côté de Mayotte, Maurice, Madagascar, il oublie à nous un peu. Bon, nous avons compris un petit peu comment notre système il fonctionne, hein, il donne plus à nous, avant il donne à nous le mort tous les 2 jours, maintenant il donne à nous le nombre de gens covidés tous les semaines. Bah, les rats, il annonce plus trop le mort, parce que la fin d'azote arrête, annonce le mort et là comme ça, donc mieux vaut faire peur un peu ben de monde du côté de Mayotte, Madagascar, tout ça. Alors, Covid-19, donc 6 nouveaux décès, ce que Manaï annonce là-bas, du côté de Mayotte. 458 cas, elle a été confirmée pendant une semaine. 6 nouveaux, les 6 nouveaux décès là-bas, du côté de Mayotte, c'était le 15 mars, c'est-à-dire hier. Banala, médecin, l'a annoncé, hein, donc c'était un petit peu plus avant, hein, donc le temps le week-end, Banala l'a récupéré toutes les informations, plus autres. Hein. Alors, il dit à nous que le taux d'incidence de 163,9 pour 100 000 habitants, hein, contre 197,9, encore, il dit, ou bien 9,9, peut-être un demi-moon aussi, Néna de Covid-19, hein, vendredi. Le taux de positivité, à dire, il passe à 12,2%. Hein, et puis, il y a aussi Néna, plus de 77 moon là-bas, dans l'hôpital là-bas, 23 les en réanimation du côté de Mayotte. Et après, Banaï pense aussi que Mayotte, ça va vers un déconfinement, parce que Mayotte est confinée complètement là-bas, hein, donc il part pour un déconfinement, les prévus pour bientôt. Nous va retenir aussi avec ça, hein, dans le monde entier, il parle que du Covid-19, hein, il oublie un peu les autres maladies, que les aussi dangereux que le Covid, hein, pour partir là-dessus. Apparemment, vous avez dû faire une fixation là-dessus, sur ce maladie-là, donc il décolle plus. Quand on arrive, mais de vous traversez un chemin, on regarde le monde tout de suite, on pense Covid. Le monde, il regarde à haut, il décale un peu, il pense tout de suite, gars, n'a Covid, ça. Madame, là, n'a Covid, monsieur, n'a Covid. Alors, donc, ben, il fait une fixation, donc maintenant, quand on traverse un chemin, bon, ben, on dirait, ou les paris un aimant, ou la personne est pariée un aimant, l'épaule est inversée, quand vous traversez à côté, la personne, il décale de côté, ou bien traverse, ou décale à côté, parce que bon,
les histoires là peuvent aller déjà dans les affaires. Nous avons aussi régional là qui est prévu pour le 13 et 20 juin. Nous parle de ça parce qu'il est important de parler, parce qu'il y a des choses qui passent beaucoup en catimini ces derniers temps là. Les élections, ça ne passera peut-être pas en catimini parce qu'il va falloir aller voter. Donc, ce qui intéresse plus la presse et les autres personnes, comment est-ce que les autres, si ça va, arnaque de monde, essayent d'arnaque de monde, les autres cases. C'est ça qui intéresse les autres le plus, après, les gens qui viennent voter. Donc, ce que les autres veulent, c'est les autres posent les autres un problème, la plupart du temps, c'est, avec la crise du Covid, c'est d'aller rendre visite à les bonnes personnes que les autres les habitués à aller voir. Donc, ici, la Réunion, nous connaît on peut suivre le vieux moon hein, pour aller voter. Nous avons toujours connu ça, les vieux moon qui votent beaucoup. Hein. Maintenant, on a des jeunes aussi qui votent, mais la population qui vote le plus, c'est des vieilles personnes. Et malheureusement, pour vous autres, le Covid l'entraîne qui ne le peut. Et en plus, les vaccinés, on a peur maintenant, on a tellement fait peur aux autres. Voilà. Et puis, on a des procurations, hein, les actifs. Maintenant, les procurations, il faut bien voir s'ils votent pour le bon PSN aussi. Hein. C'est une question de confiance aussi. Hein. Alors, les militants, les tracassés, comment ça fait le terrain. Donc, on a encore les voitures sonores, mais inquiète pas, c'est un petit peu machin. Donc, et puis, pendant la paix aussi, tout le monde a peur. Ça aussi, c'est un reconfinement possible hein, si les cas ils continuent ici dans notre pays, La Réunion. Voilà. Et puis, nous avons aussi le couvre-feu, midi toujours, hein, on m'a toujours dit, il est quasiment impossible de respecter ça encore hier, encore les embouteillages prévus que Nina a partout dans notre pays, hein, donc 18h30, 19h, 19h30, encore le moulin de chemin, et toujours dans le taux. Donc, t'as l'air à dire, nous, Réunionnais, respecte pas ça, ils respectent pas le couvre-feu. C'est pour ça que va mettre le confinement, hein, donc certainement on va dire ça. Alors que peut-être que vous avez mal calculé cette affaire, hein, qu'on mette couvre-feu l'heure pour l'heure, c'est normal que de mouler encore un chemin. Ça, il faut bien réfléchir à ça. Nous allons aller du côté de Madagascar avec la crise et la famine dans le sud. Là-bas, là, elle est en pleine révolution de l'autre côté. Là-bas, nous allons dans un journal. On a beaucoup de monde, ils montent au créneau, hein, donc on a une crise avec la crise Covid, tout ça là, avec la famine qui tape dur de l'autre côté là-bas. Donc Madagascar les prix dans ce tourbillon là, et ils risquent cab péter de l'autre côté. Hein, donc voilà. Et là maintenant pour redemander encore un peu la monnaie ici, il est un peu compliqué. Tout le monde est en crise, c'est-à-dire tout le monde n'a plus trop l'argent. Et puis on a eu aussi j'ai entendu parler d'un journal aussi, hein, c'est que l'argent a été donné là-bas du côté de Paul Kéré, là. Il y a beaucoup d'argent, là, beaucoup de choses n'ont pas été faites. Hein, l'argent n'a pas vu trop la trace. Hein, la preuve, on avait vu dans le journal les étudiants en médecine, les étudiants qui travaillaient de l'autre côté là-bas. Il a été avec un coup de balle fusil là-bas, hein, parce qu'on n'a pas été manifesté pour gagner 10 euros de l'argent de bourse là, qu'il était prévu pour donner aux autres. Donc nous voyons, hein, entre la réalité du terrain et ce qui se passe, ce que les gens y disent, il y a un grand truc assez compliqué là-bas. Donc nous soutiens Madagascar avec tous les problèmes que autres Nénan, les autres tiens un beau large, pas, on a beaucoup de monde qui habite Madagascar, les Malgaches là ici à la Réunion, hein, donc ils pensent que autres les il fait mal, autres qu'ils doivent faire mal aussi comme il dit quand il est comme ça. Et nous va passer aussi à le Covid-19 à Madagascar avec un ministre malgache qui a été évacué ici à La Réunion, Léon Richard Rakoto Tony Rina, alors qui fait, vous l'avez fait l'objet d'un évacuation sanitaire là vers notre pays, hein, on n'a point trop longtemps de ça, pour des raisons de santé, voilà. Donc ça c'est Midi Madagasiraka qui annonce ça dans le journal, d'après certains sites d'information, le bougre politique a bénéficié de pas mal de soins à l'hôpital. Hein. Le média y annonce que c'est pas le seul haut responsable qui avait fait partie des Evasan. Hein. Le gouverneur à Analamanga aussi, hein, m'y trompe pas votre nom parce que c'est compliqué votre nom là. Eri Rasoa Maro Maka a été aussi évacué
de l'agrandir à cause de son état de santé. Et les gens, ils crient quand même là-dessus. Hein. Ils crient beaucoup. Hein. Ils montent à nous que, là-bas, à Madagascar, que la santé, ben, quand on est dans l'argent, on connaît où les sauver, ils gagnent à où. Et ben, quand on a point l'argent, ben, on reste à terre. Hein. On connaît comment il est à Madagascar avec la famine. Hein. La poire de Madagascar, on est dans la famine. Hein. Il y en a aussi dans d'autres pays où ça, c'est un fléau. Et c'est un fléau. Et on devrait condamner certaines personnes de certains gouvernements et certaines personnes de grands pays, hein, c'est un crime contre l'humanité, ça, ces choses comme ça, de laisser les gens dans la misère comme ça, un peu comme en Inde ou au Liban, on avait vu là, dans pas mal de pays, hein, ben nous en Europe, nous parle beaucoup de notre petit confort personnel et à côté, nous, on a la mort et beaucoup de marmailles, tout ça là. Et puis pour les adultes, c'est pas grave, ça, les bains de marmailles, intéressant, les enfants, tout ça là, qui meurent de faim, tout ça. Donc voilà. Et puis nous là aussi, ben nous achève sur Madagascar, puisque nous là-bas, là, on est là aussi un riche homme d'affaires malgache, là, qui mort, il est mort au CHU, hein, Riaz Baradaï, bon, on peut y connaître, lui, hein, il est mort du Covid-19, hein, il avait un tac en l'hôtel, tout ça là, hein. Lui aussi a bénéficié d'une évacuation sanitaire. Il avait aussi une compagnie, l'avion, spécialisé dans les évacuations sanitaires, évacuations de malades. Donc, il y a profité de son affaire. Hein, donc, l'avion est allé, ben, il rentre dedans. Hein. Alors, lui est mort au CHU, là-bas, hein, Riaz Baradaï, il a gagné le Covid-19. Il était âgé de 61 ans. C'est un des plus grands exportateurs mondiaux de l'ilang-ilang. Hein, donc, 25% de la production mondiale. Alors, tu viens des populations, des productions de nocibé là-bas. Hein. Il était aussi propriétaire de bon peu l'hôtel là-bas sur la grande île. Hein. Plusieurs sociétés ici à La Réunion. Il était pilote d'avion. Il avait fait son compagnie aérienne aéromarine, tout ça là. Que la spécialisation, lui dans ce qu'on m'avait dit, là, les évacuations sanitaires. Montazote devant la maladie, devant la mort, ou peut être riche ou avoir un tac en l'argent, un tac en millions. Quand il arrive pour où aller, ben où ça va, hein, elle a pas besoin de bagages, hein, quand ça va, où ça direct. Alors donc tous les millions que vous la ramasser, ou la mettre dedans machin, ou le mettre avant de les mettre sous oreiller, quand même mettre la banque là-bas, ou sinon ça dans le compte aux îles Caïmans, ben, donc. Compliqué, hein. Donc voilà les façons comme ça. Ils montent à haut que devant la mort, tout homme les égale. Même moi, les égale. Quand il meurt, ça va, il laisse tout à terre là. Donc la vaccination AstraZeneca nous vient sur vaccination avec clarité. La France a dit il arrête un coup avec ça pour l'instant. Un prise de parole qui a été fait hier. Emmanuel Macron a annoncé que, bon, il suspend la vaccination AstraZeneca pendant au moins 24 heures. Vous savez, pas tiffé 24 heures, c'est rien du tout. Alors qu'on a des pays, elle a éliminé, machin. On peut dire qu'il a dit un affaire, mais il n'entend plus non plus Emmanuel Macron causer ces derniers temps, même plus son ben ministre, hein, elle a enterré, je sais pas comment. Donc c'est une mesure de précaution, alors que plusieurs pays ont aussi suspendu la vaccination ces derniers jours. Ben, il faudrait bien l'été mettre son mot là-dedans. Alors le gouvernement français va redire que ça se passe encore aujourd'hui. Bon, hier, il a dit comment, bon, ben 24 heures, ben 24 heures après, mardi, il va attendre l'avis de l'Agence européenne des médicaments. Hein, la Réunion est... La Réunion n'est pas concernée hein, dans tout ce ben, vaccin AstraZeneca et les autres vaccins, vu que n'a que Pfizer l'a administré pour l'instant dans le pays. Donc, si j'ai envie d'aller vacciner à moi, mieux vaut que ça va tout de suite, hein, donc, parce que sinon, on va gagner de l'AstraZeneca. Donc, alors, nous, on a aussi des opérations. Ben, il est vrai que ce vaccin-là, il ne dit pas nous rien, mais maintenant, comme quelqu'un disait à moi pas trop longtemps là, Taleva, il n'y accusera pas. Ça y accusera pas le vaccin même que de faire défaut, on va dire c'est l'homme, le monde que l'a mis, il était pas bon, il était pas adapté au vaccin. Normalement le vaccin adapte à machin, c'est l'homme là, on va dire le bougle est pas adapté, donc il a fait ça, son corps t'es pas bon, t'es pas en caisse vaccin là, t'es connais pas, donc il est mort. Ni vu ni connu, fini, classé, affaire classée. Le passé des opérations de dépistage du Covid-19 qui est programmé du côté de Saint-Louis. Dans notre toujours, hein, ça c'est des informations assez importantes. Les dans notre ville, hein, si vous avez envie d'aller faire des pistes à autres, juste pour voir un petit peu comment il est. Le port la possession, c'est aujourd'hui et le 18 mars.
2021, bien sûr, nous l'avons en 2021. Et ben, ça se renseigne, ça, auprès de les bas de mairie, bah, ben, là, les, la, numéro de la mairie, ça, tu connais, dans cette commune, hein. Mais j'espère que ça, tu connais le numéro de la commune, la mairie, hein, parce que c'est un peu compliqué, je ne connais pas, hein. Alors, Diazot, comme ça que le dépistage est gratuit, comme avait Diazot, hein, sans ordonnance, les gratuits, mais bon. On m'avait déjà parlé, regarde un petit coup le journalier, hein, comme il dit, c'est les affaires gratuites, hein, mais ça n'a pas répété. Alors, il faut azot, la carte vitale, pièce d'identité, il faut azot aussi votre propre stylo, bon. Et il faut azot un masque aussi, il n'a pas le choix, puisque si on ne peut pas mettre masque dans le chemin, la loi il cap attaque azot. Nous, on a aussi, ben, la dingue est toujours la même, toujours présent, avec des cas qui augmentent un peu partout. On va revenir un peu sur fin de semaine sur ça, hein, normalement, ou peut-être demain, dépend si on a des informations en plus aussi, la dingue. Bon, la dingue, c'est un moustique qui donne ça, et la dingue, la plupart du temps, ben, elle est compliquée d'avoir ça. Il paraît qu'elle est assez compliquée, parce qu'on a des gens, ils meurent avec ça, ils mourent avec ça, avec ce truc, hein. Nous, on va parler de la préfecture, la chambre des métiers, les deux travaillent main dans la main, là, toujours travaillent main dans la main, quoi, d'habitude, ils travaillent pas main dans la main, non, à l'unisson, comme on a dit, problème de travail au noir. Alors, la chambre des métiers dit, il faut arrêter la concurrence déloyale, nombreuses affaires que, elle avait vu, Don Joannal, là, justement, ben, coiffeur, il travaille au noir, tout ça, là, ou bien sûr, ben, garage clandestin, pour citer que ça, hein. La Chambre consulaire va signer prochainement une charte pour mieux accompagner les entreprises artisanales, les victimes de fraude. Alors, c'est vrai que ça, depuis longtemps, ça y existe, hein, les histoires de travail au noir, le bougain à son garage, hein, dedans, hein, donc ça en a longtemps, on a écrit parce que on a gagné plus trop la monnaie, et puis le prix dans un garage, il est assez compliqué, hein, le prix d'un garage est assez chaud quand même. Des fois, le boug lui change ou des pièces qu'il ne connaît même pas, s'il est bon, s'il n'est pas bon, hein. Moi, on finit d'arriver dans des garages, je dis à moi, monsieur, il ne répare plus de l'auto, parce que s'il change, il faut changer le moteur. Alors qu'on a simplement une petite durée TPS et de l'autre côté, comment on veut que quand ça va dans un garage, pas tous les garagistes sont pareils, hein, mais la plupart du temps, les garagistes, c'est un garagiste, ils taxent ça ou à mort, hein, à fond la caisse. Hein. Imaginez, vous changez un courant de distribution, une pastille de sable mal placée, les dessus de moteur, ça coûte 2,50 €. Il faut au moins 500, 600 euros, à condition que vous ayez changé. La plupart du temps, ils disent, non, monsieur, ça, il faut envoyer la maison, ça, ne gagne pas réparer ça, nous faire une petite réparation. Il faut savoir ce que vous veut aussi, des fois, hein, là-dessus. Hein. Mais ça pas critique à Zot pour dire Zot n'est pas bon ce que Zot y fait. En tout cas, le travail au noir a toujours existé. On a aussi les coiffeurs. Hein, quand on travaille au noir, est-ce que dans les garages, il n'y a pas de monde qui travaille au noir? Si, il y a de monde qui travaille au noir. Mais quand il y a des garages, il y a de monde qui travaille au noir. Est-ce que dans les coiffeurs, il y a de monde qui travaille au noir? Ben oui, il y a de monde qui travaille au noir dans les coiffeurs. Mais qui ça y embauche les travailleurs au noir? Ben c'est des patrons. Alors, on a beaucoup de patrons. Hein, faut pas accuser simplement le boug qui travaille au noir tout seul, mais il faut garder aussi le bon patron qui embauche les bonnes mounes là à moindre prix. Au noir aussi, ça y existe aussi, hein, à point que nous n'est pas parfait sur la terre à 100%, donc voilà. Et puis, rappel à Zot, à point trop longtemps, on a un an, deux ans de ça, m'y crois, un an ou deux ans de ça, quand les gendarmes débarquent dans le carocan, là-bas, pour mettre deux mounes dans le coupe-can, bon, il y avait des boucs, des travailleurs au noir, si là-dedans, non, la bloc à Zot, on n'avait plus à courir, enfin, ça fait casse-coller dans le can, là, mais après, quand il m'a planté, il dit, bon, ben, la plus de monde pour travail, nous mécanise les affaires parce que nous gagnons subvention. Après, m'y connais pas, moi, 10 euros de l'heure, par exemple, pour aller travailler au noir, les coupe-cannes dans le soleil, là-bas, fou, mis le gap, dans la mawa aussi, le gars, il fait ça comme ça. Bon, après, tout dépend du prix aussi, hein. Donc, après, en plus, m'y ça pas dire, le travail au noir est condamnable à 100%, parce que la plupart du temps, on a beaucoup d'entreprises, beaucoup de sociétés, ils embauchent des gens à travailler au noir, et des sociétés, ils ont gros l'argent, hein. Je parle pas de petites sociétés en train de bataille pour essayer de gagner une petite monnaie, pour faire remplir d'autres marmites, pour manger, tout ça, là, hein. On connaît des sociétés, elles sont vraiment dans le problème, dans la problématique du chômage. Mais il y en a des grosses sociétés quand même, ils embauchent des gens au noir, hein. Ça, il faut bien regarder.
On va passer du côté de l'île Maurice, ça nous ferme cette parenthèse-là, nous allons revenir dessus, hein, si tu veux, à le téléphone à notre disposition, hein, donc 06 92 006 157, ah, puis salut aussi les personnes sur Facebook qui envoient moi des messages, même en privé pour traiter tel ou tel machin, même sur le téléphone, bah, n'oublie pas qu'on n'est pas tout seul à Thérèse, un petit peu aussi, bah, de, quand ça t'a envie, un petit peu, hein, là, c'est, hein. Coronavirus à l'île Maurice, bah, il est un peu comme la Réunion, bah, le début de la crise à la Réunion, rappelle à Zot comment t'es fait peur, le monde est une manière où les journalistes, la magnétique école, l'ARS, la magnétique école, de comment dire, nous, ça gagne, nous, la mort, il vient sur nous partout, nous, c'est sa mort, la télé, c'est sa mort, mettre ça, là, nous connaissons plus que ça, il faut faire, ben, l'île Maurice, ben, ben, le même chose, il reprend là-bas, ben, les actualités, il bombarde maintenant, dans le journal, il bombarde maintenant, sur le terrain, la police, les DAI avec Zot Benzamande. Ils prend le peu, ils mettent dans des bus, ils savent faire. Il est un peu plus dur à l'île Maurice qu'à la Réunion, mais il fait rappel à moi. Bon, bah, comme il regarde le journal, ben, il fait rappel à moi. Ben, elle est comme la Réunion au tout début de la crise. Hein, donc, ben, là aussi, il y a folle aussi. Hein, ben, là, il avait fermé les autres bandes frontières et maintenant, c'est des cas qui ont été importés, qui rentrent dans notre pays. Et maintenant, toutes les bandes moon qui vivent là-bas n'a bon peu en train de gagner ce Covid-19. Et dans la presse, il dit, bon, ben, le gouvernement aussi, il gère pas trop non plus les histoires, un peu comme la France, hein, avec la Réunion. La gestion de ce crise-là, elle est assez compliquée. Pas que pour Maurice, la Réunion, Madagascar ou les autres pays ici, est pris dedans, hein, inquiète pas. Nous, on a aussi Paris, là, m'avait dit Azote, hein, ben, lui, la crise Covid, il n'est pas là avec ça, lui, hein, banaille assoupli des voyages, là, pour 7 pays clés hors de l'Union Européenne, hein, m'avait dit Azote, hein, voilà, donc, banaille rouvre les frontières, hein, il garde pas s'il y a un virus, s'il y a un virus, s'il est bon, s'il n'est pas bon, nous, hein, pas trop longtemps, on avait vu Israël, que l'était pris avec, le Japon l'est pris avec, la Corée du Sud aussi, n'entend pas trop parler, hein, c'est des pays, là, un peu renfermés, les informations, ils filtrent pas trop non plus. Sauf le Royaume-Uni, ben, n'a pas ouvert. Hein. Donc, les autres pays, Nouvelle-Zélande, tout ça, Singapour, ben, là, ils rouvrent la frontière pour venir en France. Ben, il veut dire que quand Zot va faire Zot motif un PAU de l'autre côté là-bas, et quand Zot va venir ici, l'avion sera, le Air Covid sera bien rempli. Voilà, donc, on avait parlé à Zot aussi, là, de l'île Maurice, avec les brigades sanitaires, hein, qui traquent et embarquent des centaines de familles, hein, depuis ça, m'avait dit à Zot, hein, donc. Voilà un petit peu le affaire sur l'île Maurice, l'actualité là-dessus. Il rappelle aussi que le transport scolaire pour les 6 communes, les maladies, les gratuites, hein, bon, Bandomoun, les gratuites, hein, les gratuites, donc, qui est pas si gratuite, bon, ben, les gratuites à compter de la rentrée scolaire du mois d'août. Alors, de l'Est là-bas, vous allez pouvoir profiter, bien sûr, des transports scolaires, hein, bah, vu qu'on n'a pas un bon peu de monde à l'école, donc pas un trop bon peu de bus, m'y pense. Hein. Ah, voilà, c'est la CIRESC qui l'a fait ce disco-là samedi, là-bas, donc elle a été validée par Z-Band System pour la rentrée, machin, pour la rentrée scolaire, là, qui est en août, là. Prochaine rentrée scolaire. Alors, nous, on a aussi notre Cosmo à La Réunion. On m'y revient sur hier. Hein, c'est le Cosmo de La Réunion. On m'a maillé un petit peu. On m'a les affaires à sauter. Donc, on m'a la sauté. Donc, Zoiseau ne fait pas son nid en un seul jour. On m'avait dit ça hier. Hein, donc, ça part en un cas du jour au lendemain. Et puis, bon, ben, c'est avec le temps et la patience que vous arrivez à construire quelque chose dans la vie. Nous, on a aussi dans l'océan Indien, le système Abana, là, qui est dans le bassin des Mascareignes, hein, depuis 2-3 jours, bien sûr, hein, l'idée est repassée au stade de forte tempête. Ben, hier, le système était à plus de 1600 km, là, du tir un peu 3-4 km/h vers le sud-sud-ouest, hein, donc il n'avance pas trop vite, hein, il doit arriver peut-être, je ne pense pas que. Il doit être peut-être à 1000, 1200 km de la Réunion. La Météo France, il dit à nous que la pointe menace pour cyclone dans les prochains 72 heures. Il dit à nous aussi que ce tempête-là, il risque d'approcher à lui de la Réunion, de notre pays, et surtout de la zone de l'océan Indien, avec beaucoup de pluie. Les prévus avec ça, il ramène de la pluie, hein, donc. Les très intéressants, les nappes phréatiques déjà plein, bon, voilà, maintenant sur le débordage dans la saison cyclonique, là, donc voilà un peu les affaires. Abana, il devrait repasser au stade de dépression tropicale bientôt, là,
Ou sinon ça finit passé, ma amie va tenir Azot au courant d'ici demain. Pour la Réunion, le temps sera couvert le matin comme l'après-midi. On aura la pluie ici. Couvert le matin, l'après-midi, on aura la pluie. Hein. Donc, d'après ce que la météo dit, hier, la météo était un peu menteur quand même. Elle était presque pas couvert, avec pas une pluie de merde. Mayotte, le temps sera couvert le matin comme l'après-midi. Ensemble, la pluie sur là-bas, hein, du côté par place, on aura la pluie. Et puis l'île Maurice, les prévues le matin, ensemble la pluie, les prévues le matin, ensemble l'après-midi. Voilà ce que c'est la Réunion, là, m'y remet à Ciazot. Hein. Beaucoup étaient nombreux et nombreuses à suivre à nous, m'y invite à Ciazot à continuer sur la page de reçu, c'est là-bas, raté là, ben, on est à la rediffusion sur la page de Télécré. N'oublie pas, à partir de 9h, on a l'émission de cuisine. Kossa, il mange aujourd'hui. Ben, Kossa, il mange aujourd'hui, on va bien voir. Voilà. L'émission est finie, merci Azot, tiens beau Cyril Alcoa, bonne journée, on y retrouve, à demain.